Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Font l'actualité au Congo et parler de la situation en général de notre pays. Oui, donc, je disais, Bandeko, Facebook pendant 72 heures. Fimo Wamke, Niki Alley. Représentatrice, il y a. Non, elle est qui déjà elle? Ambassadeur? Ouais. Quelque chose comme ça. Il y a Trump, il y a Bernard Trump, na Nations Unies, à Yéna Congo, pour na kota là, pour visiter, pour la situation, il y a un beau canabiso et tout. Tout le monde, pendant 72 heures, tout le monde, tous les médias, nous tous, même ceux qui font l'actualité sur Facebook, dans les réseaux sociaux, que ce soit dans Twitter, tout le monde a parlé de cette femme. Bande konanga ba congolais. Comment est-ce qu'un individu mutu moko ayé na mboka pour aya ko imposer biso ce qui va se passer dans notre pays? Moi je réagis ezanga nandenga nazo réfléchir. Quand cette femme est en train de parler des élections en 2018. Rappelez-vous que les Américains, les États-Unis, bango balobaka élection en 2016. Bango kaka balobaka élection en 2017. Bango kaka lisusu. Merci beaucoup Jimmy Elizondo. Je suis sûre que tu vas rester là. Reste là frère. On peut s'en avoir idée au cas où on a bungi ba idée. Reste là. Donc, les Américains ont soutenu les élections en 2016. Ils ont soutenu les élections en 2017. Et voilà maintenant, ils nous imposent. Parce que moi je ne dis pas que ce n'est pas une proposition. Ils nous imposent maintenant les élections en 2018. Congolais tout la mouka. Monde entier, ou bien, enfin, pas monde entier, Congolais nion so karatongo, moi si wana yé na Congo, tout le monde a une solution pour la biso. Batumiso se koutou, akoyako benga na kabila, akoyako benga na kabila, akoyako salaboy. Est-ce que vous avez remarqué même l'opposition? L'opposition a été reçue par cette femme, il y avait quatre personnes, Pierre Lumbi, Vital Kamere, Eve Bazaïba et Félix Tshisekedi. Bakendeki Bayambi Bango. Eux, ils ont déposé juste un mémo. Ils ont déposé un mémo. Et c'est vrai que les mémos n'ont pas été publiés. J'ai suivi quand même l'interview de Pierre Lumbi où il parlait de ce qui était dans ce mémo. C'est-à-dire, l'élection est à la respecter comme ça a été prévu dans les accords. Aujourd'hui, même Bato Bazo Bundela, l'accord du 31 décembre de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'on peut parler encore de l'accord du 31 décembre, sachant que cette femme parle des élections en 2018? C'est-à-dire que l'accord est encore violé. L'accord est caduque. Ça n'existe plus. Accord est à dissoudre. Comment on peut parler de l'accord, sachant que. Lobby déjà élection. L'accord disait les élections en 2017. Maintenant, élection est comme à l'angoumo. N'oubliez pas, je suis en train de ramasser Ivan de Kobolim Bisanga, parce que je suis en train de ramasser tout l'actualité, toute l'actualité à la foulée. Balobaki Nabiso Nananga, Corneille Nanga, il a parlé de 504 jours. Namoni Ndireza la confusion pour Nabato Obazo comprendre le Kabo 504 jours. Le 504 jours commence après le recensement ou l'enrôlement de la diaspora congolaise. Donc, ceux qui ont enrôlé la diaspora dans Poto, dans l'Afrique du Sud, ils ont dit qu'ils Mboka, dans Bénin, tout, et ce Congolais à Zali. Dès qu'ils auront fini l'enrôlement, c'est là où on va commencer à compter les 504 jours. Bandeko, est-ce que vous vous rendez compte comment Bato va sakani na biso? Nani azo zela élection. Candidat ni au azana kati ya diaspora au télémalélo, oui, j'attends les élections, na keko se présenter, bo ka sonité na keko se présenter. Oh, se présenter, bo lobaka. Où est la diaspora congolaise, combattante? Au azana ki ko télémakoloba. À part ko swana, diaspora, s'il vous plaît. À part vous torpiller, à part parler de la vie privée, à part de vous insulter, de vous diviser, d'accuser tel X ou Y, mais pourquoi est-ce que bozo. Belle analyse. Merci beaucoup, Marcel Lassens. Eh bien, les gens réclament l'heure des vérités et les duos de la diaspora. Tout ça a besoin radieuse, on a pour que tout ça a banalise. Donc, j'expliquais par rapport aux 504 jours. Donc, ça va commencer après l'enrôlement de toute la diaspora.
Et bien, nous avons que nous avons un nombre de diaspora congolais qui sont dans la diaspora. Ils vont enrôler qui? Combien de fois nous avons vu des Congolais taper des gens sur les rues de Paris ou ailleurs, les accusant des Rwandais, Batouana peut s'enrôler. Et il faut attendre cet enrôlement-là. Après cet enrôlement, on va parler des 504 jours. Cela va nous amener en 2019. Tout le monde a fait belle attention au Longwe. Togo et Congolais couffent. Même un Congolais qui tombe aujourd'hui, il a perdu. Donc, ton bazou, 504 jours, tu commences, oui, Peugeot 504 et tout, etc. Et quand on a rigolé ou on a posté sur Facebook en critiquant les 504 jours, Corneille Nanga a tweeté dans son Twitter que bozo c'est kabiso, le bozo vient 504 jours, ce délai peut être augmenté ou encore réduit, mais c'est possible que ça soit augmenté. C'est-à-dire que les élections, même en 2019, il faut rêver. Bon, 504 jours, l'année compte 365 jours. Donc, si tu as compté là, tu sais qu'à moi, tu sais que c'est un bango, ou bien tu crois que c'est moi la chemin à bango. Donc, 2 mois, il y a enrôlement et diaspora. 2 mois, il y a enrôlement et diaspora. Ce qui nous amène en décembre. Et les 504 jours, bon, l'on a 365 jours de l'année 2019, c'est 2018, pardon, c'est-à-dire qu'en 2018, il n'y aura pas les élections. Il n'y aura pas des élections. Aujourd'hui, qui viennent, on a pour défendre l'élection. Je suis désolée, on a pour défendre l'élection. Non, ça l'analyse parce qu'il s'agit de notre pays. On a comprendre un peu l'actualité. Avec vous, je vois, vous réagissez en ligne. Je vais lire et puis on va commencer à débattre par écrit. Mais il y a quand même dans le banane. Bandeko, il y a quand bavandi. Kabila a eu une année. Il y a prolongement au Yalouzoui et ça y a Mawa. Parce qu'il est illégitime. Il n'a plus le pouvoir. Il ne peut pas rester au pouvoir en train de diriger. Normalement, il devrait organiser les élections. Il y a eu l'autre qui a tweeté ce matin. Badibanga, le premier ministre Badibanga, avec l'accord de la cité de l'OIA. Il n'a pas organisé les élections. 4 mois après, les gouvernements, tout le monde à la porte. Le dialogue de la CENCO. On nomme Bruno Tshibala, premier ministre. Ils sont fous. Ces gens-là, Bazo Sakanabis, ils sont fous, mais complètement. Tandengaye, ma boum, dit, mais rien de temps. Bruno, voilà, à s'embellir et tout, ma moukou, tout le monde, et moi, mbou, il a commis moi classe et tout, colata et tout, bah, oh, mais la mère, bah, comment, mais la, bah, oh, vive, hein? Bah, comment, mais, oh, minéral. Eau de source et tout, et tout, balongé la mer, tout qui s'est pire, moi, nous avons la source autour à toilette, et tout, etc. Nous avons un kanda boutique à l'ouba. Donc, excusez-moi, Bandeko. Ah, zut. Donc, voilà, je continue. Je ne sais pas si vous me voyez, Mdeko, c'est un signe parce que nous avons un message, moko et bimi. Nous avons un coca au longo langote et tout. Donc, je disais, Justin jusqu'au bout, voilà, il est là. Donc, je disais, les 504 jours, ça nous ramène en deux, normalement et logiquement, si on fait des calculs, ça nous ramène en 2019. Parce qu'en 2018, ce total gagné, c'est 365 jours. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin ni la volonté d'organiser les élections. Même si les partenaires financiers donnaient de l'argent. Par contre, ça, ils n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Et ils nous l'ont prouvé d'une manière ou d'une autre. Comment voulez-vous qu'on nous organise des élections pendant qu'il y a des enfants? Nous avons vu des enfants mineurs se faire enrôler. Bah, tu vas s'enrôler Lambert Mende. Les gens se sont enrôlés là-bas, c'est des mineurs, des enfants. Et ils ont découvert même qu'il y avait au moins 160 000 cartes d'électeurs. Il y a faux. Oh, il y a eu des doublures. Mais bon, il y a eu des un ami à moi, avant d'aller à Paris, à Kinshasa, à Congo, il y a 4 cartes d'électeurs. Vous vous rendez compte? Tout simplement que les conditions ne sont pas réunies à ce que qu'on ait des élections cette année. C'est vrai que si l'opposition, certaines personnes, les Congolais réclament des élections parce que c'est prévu dans la Constitution et normalement ça devrait avoir lieu cette année.
Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Batouana Bazan pour s'organiser les élections. Et moi, ce qui me surprend, si j'ai voulu vraiment réagir, des vives voix. Je suis une patriote. Je suis une Congolaise. Awa naza anzalate. Awa nazo luka musalate. Mina yazo loba parce que ils ont ma belle nanga. Po ils ont la batumisu sur mon lava. Eh bon loba kan on musika kuna. Boya na terrain. Terrain ni bino bozala. Kuna terrain municipal. Tombo loba batou boya 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 awa. Diaspora amène, apporte combien dans le budget de ces pays-là? Bien. Bien à Binoza combien et Bissot diaspora te contribuera à combien. Donc, je ne vais pas faire polémique entre vous. Nous vous soutenons. Tout simplement, nous vous soutenons parce que c'est notre pays. Et puis, c'est normal, nous avons encore des familles qui sont là-bas au Congo. Ils ont besoin d'être, de vivre paisiblement. Bah, profiter d'un beau calabango parce que le Congo est riche. Autre chose, Congolais n'a moni à Timothée, mais Niki allait. Oui, Niki va. Comme les opposants aussi, hein, les opposants étaient, allez dire à Kabila de respecter l'accord. Allez dire à Kabila de se prononcer qu'il ne va pas se présenter en 2018. Oh. En fait, nous avons dit, bon, moi, c'est-à-dire, moi, d'accord, aller au fond de pas maman, n'est. Maman, regarde, il y a l'enfant du voisin ou l'autre enfant, il m'a arraché mon jouet. Non, Kamolomato, va te défendre tout seul. Va te défendre. Donc, nous, on n'a pas besoin des Niki pour aller dire à Kabila, vous habitez dans un même pays, excusez-moi les opposants. L'opposition. Bon, va n'arrêter Kabila ici, comme on est comme Niki aïe, binonio son Niki et Niki. Bon, mon colo Bernard Trump, voilà, quoi, y'en a Congo. C'est-à-dire que vous allez ramper par terre. Vous allez ramper par terre. Ne me parlez pas des décideurs et tout, etc. Les décideurs, mais ce sont eux qui ont placé Kabila là-bas au pouvoir. Ce sont eux qui connaissent. Niki a été sur le terrain où il y a affrontement et Zali à Outikuna dans l'Est, a moni de ses propres yeux la souffrance de ces femmes-là, de ces habitants-là, a moni. Alors s'ils ont besoin de sanctionner Kabila, il n'est pas la vie n'a pas sauté, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas bon de l'aide, il n'y a pas de salaire. Et puis les Congolais, il faut qu'on arrête de croire que tout tourne autour de nous. Que la communauté internationale est bien, vous voyez que na Burkina Faso kuna makamboza. Est-ce que vous voyez éviter que na Togo makamboza? Est-ce que vous voyez éviter que na Haïti ba ezo dinda? Est-ce que vous voyez éviter que Trump yemo kazo bunde la makamba terrorisme? Est-ce que vous voyez éviter que Macron a wandenga za a zo tala makambo ya ba biso to zo bunde la paix awa likambo ya comment dire ya ba retraite. Donc location, il y a des parents isolés, ou comme et tout ça, ça va être remis en baisse. Donc les Français aussi ont leurs problèmes, les Somaliens ont leurs problèmes. Donc il n'y a pas que le Congo, même le Rwanda. Pour moi, il y a un problème parce que Bazo a attaqué opposants, tu vois là pourquoi. C'est-à-dire que tout le monde a ses problèmes. Alors, peuple congolais, moi je me dis, je ne trouve pas ça normal que nous puissions focaliser tout notre espoir. Ou biso tu vas mon akara ke barosa le la biso ah barolobe la biso ah barosa non il faut to loba biso moko to bunda on dirait que to telemi to tie pause on fait une pause ah oui Niki va parler Niki va dire ceci à Kabila ah oui on commence même à faire des analyses par rapport à sa position comment elle était assise et tout Kabila baissait la tête et tout etc c'est pour ça qu'il va faire partir Kabila s'ils ont vraiment envie de lui faire partir ba ko longolaye. Mais tant que nous volontaires, nous salamités ou bien nous monités dans la longueté, c'est à nous de continuer notre combat. Ceux qui sont dans la diaspora, nous faisons des vidéos pas pour plaire. De toutes les façons, moi je l'ai dit, je n'ai pas besoin de brancher ma caméra et parler du Congo pour Nabatouba Talanga. Je peux brancher ma caméra dans la bandeau Seka. Vous voyez, na Seka. Donc, je peux commencer juste à rigoler si les gens ont envie de. Pardon, excusez-moi, il y a vraiment un message qui s'affiche. Ben, décidément, voilà, ok, hop, bon, c'est bien, parfait. Donc, je disais, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour me faire voir, ce n'est pas, donc voilà, si j'ai besoin que quelqu'un m'en a, je peux l'appeler en appel vidéo, et puis voilà, ok. Donc, si nous continuons, si nous parlons de la RDC, nous demandons à nos frères et sœurs de continuer la lutte, de continuer à dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays, c'est parce que c'est à nous, Congolais, de le faire. Nous n'avons pas besoin de croiser les bras. Ah oui, Niki est venu, Niki va dire, sans doute, hein, il a dit des choses, on commence même à penser à sa place.
il a dit des choses à Kabila et peut-être qu'il va partir et tout. Tu vois, l'opposition aussi montre une image de l'unité et tout, etc. Mais, Congolais, moi, ma position par rapport à l'UMC, ça ne regarde que moi. Mais si Total est contenu des éléments, compte tenu de ce qui s'est passé, le dialogue de l'OIA, Vital Kamerhe a signé, de la CENCO, il a signé, les arrangements particuliers, il a signé, et il avait même un ministre au sein du gouvernement. Tshibala et gouvernement, comment, Sami Badibanga et Tshibala. À la dernière minute, on a besoin de crédibilité puisqu'on a disparu dans la scène politique, hein, je vais dire des choses clairement, on a besoin de la visibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On demande, il demande à son ministre de démissionner. Attends, oui, effectivement, le ministre n'a pas été là, n'a compte na yemoko. Il a été délégué. Hein? Il a été délégué, Yaboussa, na moni message. Il a été délégué par son parti. Mais maintenant que Balobi na yemoko, bon, mon idée ministre a changé. Yamakasi. Pourquoi vous me demandez de démissionner au gouvernement alors que vous laissez un représentant de l'UNC à la CENI? Aboyi, ministre Aboyi Kangudi Aboyi, Aboyi Kolongwa. Et maintenant, la lecture, quelle lecture que nous avons? En tout cas, moi pour moi, c'est comme si Bazou Sabajou n'a pas la preuve. Juste Aboyi qui a démissionné, le lendemain, on nous parle déjà de son parti politique qu'il a créé, UNACO. UNCO, Union des Nationalistes et Congolais, donc, qui a tendance un peu à UNC. Mais pas tout, Bazo Sakana Nabiso. Les centristes, en parlant de ces garçons-là qui font des bruits Kambinga sur Twitter. Hey, je ne sais même pas, bon, il ne veut pas me voir ou m'écouter peut-être, mais bon. Mais Botanon, on est le jeune là, il a un problème. Nous sommes le centre, donc nous sommes ni à gauche ni à droite. Nous sommes les centres existent où au Congo? Montrez votre position. Ta position, la position de ce garçon-là, hein, il veut retourner dans le gouvernement. Et son problème, c'est quoi? Il faut qu'on crée encore un autre dialogue. Il soutient les troisièmes dialogues. Bakobé, on va former. Il y a une consultation, c'est dialogue. Oh, concertation, dialogue. Oh, palabre. Utilisez tous les noms que vous voulez, mais nous ne sommes plus bêtes. Nous analysons les choses. Dans ce bolingo salo, table ronde quoi, des centres, des ventres, oui, vous voulez manger, vous avez besoin juste d'avoir des postes. Les centres ont besoin d'avoir des postes au sein du gouvernement, du prochain gouvernement. Ou si jamais il y a remaniement des gouvernements, ils vont se retrouver. C'est pour ça qu'ils revendiquent les dialogues. Ils ne revendiquent pas les dialogues pour le bien-être de la communauté ou des citoyens congolais. Parce qu'il y a eu deux dialogues. On a écouté deux dialogues, oh, il y a Siko, après le mandat de Kabila. Mais oh, avant, souvenez-vous de Kampala, souvenez-vous de Addis Abeba, souvenez-vous, il y a eu combien de dialogues, finalement, dialogue, ôté, et puis les opposants. Les gens des partis politiques, donc ceux qui écoutent Bofinga, et Kolaate, Bomonichi, et Kolaate. Donc, quand l'opposition, Azawana, on dit qu'on est là, non. C'est la communauté internationale. Bah, comment on bat à Mabongo? C'est la communauté internationale qui nous met la pression. Quelle pression? La communauté internationale devra mettre la pression à Kabila parce que c'est lui qui refuse de démissionner ou de partir. Il a fait ses mandats, a sali deux mandats, constitution et Lobini. Et même la communauté internationale, il n'a qu'à bousculer Kabila, il n'a pas à bousculer l'opposition entre nous. Pourquoi? Et en quoi est-ce que... Il faut qu'au bout d'un moment, on va commencer à vous demander des preuves. Vous avez un courrier, vous avez quoi? Donc, j'ai Coco Moulumba qui nous suit. Donc, je suis en train de passer les messages à l'opposition. Soyez ferme, nous ne voulons pas de troisième dialogue. Tolingi, ma kamba dialogue, teo, to koutana, to yo, kanato, solo là. Il y en a marre. Ça fait combien de temps qu'on doit commencer à dialoguer avec Kabila pour le supplier? Et vous avez vu comment est-ce que l'opposition a été humiliée. Moi, je le dis, l'opposition a été humiliée, traînée, qu'on attrape Chignon, Bakanye, Nassou, qui m'a obéné dans ma belle. Vous avez vu, nous avons tous vu. Baya qu'on signait le dialogue, c'était oui, nous signons sous réserve. Signer, d'accord, oh non, oui, on va voir et tout, les temps de discuter. Oui, la majorité arrive en retard. Oui, l'opposition, et tout, ils nous ont montré de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler des troisième dialogue, nous disons non. Tokote le Melabino, si vous acceptez un autre dialogue, parce que trop, c'est trop. Kabila ne partira pas dans les négociations. Batouba, tele miwana mutulo,
basango, na basango OP, l'église catholique ou la Saint-Cola, ils ont institution moko, ils ont valable, reconnue, mais comment est-ce que eux ils demandent à Nikki d'aller, enfin, ils demandent à Nikki d'aller demander ou d'aller dire à Kabila de donner des garanties qu'il ne se représentera pas et qu'il partira. Mais il y a au moins si ouais, moi sur la zone il a traumatisme moko. Pour mbattu balinga ko lela boy donc moi grave ma doléance na ma doléance. Est-ce que vous tournez opinion pour il y a peuple congolais bon luki peuple congolais pour aboyer ma peuple congolais veut quoi pour akene peuple koyebi sa niki wana meme la Kabila peuple pas loba la Kabila mais il y a quoi kaka aujourd'hui non dialogue aujourd'hui même les opposants ou l'opposant moi je parle directement de Kamere qui a été qui a saboté l'accord de Senko à Tiki Baninga. Ake na ekuna na banda ki non na oyua ayena senko atiki baninga tong babibi ake a signé a tiepe ministre aujourd'hui on nous parle de l'unité quelle unité et même dans la diversité au moniko même mutoazane kuna ozo besoin za UDPS te po boule la Congo ozo besoin za UNCT ou bien za na suki UDA ou quoi MLC te po boule la Congo c'est le patriotisme tout d'abord. Et si ces politiciens-là ont juste besoin de leur ventre, de se remplir les ventres, d'avoir le pouvoir, bas au ministre et tout, Tokotel et Melabino, ce peuple azo se retrouver. Voilà. Tokotel et Melabino. Donc, si on tourne toqué gauche, toqué droite, oui, quelle solution? Je ne parle pas pour parler, quelle solution? Il y en a dans la Constitution. Il y en a dans la Constitution. Aujourd'hui, si les rassemblements ou certains cadres du rassemblement parlent de l'article 64 ou de chasser Kabila, les mouvements citoyens qui sont au Congo en parlent, c'est-à-dire qu'on a une solution. La solution, c'est ça. La solution n'est pas au dialogue. La solution n'est pas là que les gens se mettent autour d'une table pour discuter des partages des pouvoirs. On va prendre combien 5 ans. Vous donnez 20 ministres. Nous allons proposer 3 ministres. Et ainsi de suite, la société civile non signataire et signataire et tout, etc. Mais vous vous moquez de qui? Des peuples congolais. Peuple n'est pas à souffrir. Voilà pourquoi nous disons non. Voilà pourquoi nous disons non, n'a pas dialogue, n'a pas table ronde. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. C'est ça que. Donc vous voulez que vos intérêts. En fait, c'est le partage des pouvoirs. Vous n'allez même pas la négocier, quoi que ce soit. Vous allez négocier quoi déjà? Pourquoi vous allez négocier avec cet homme-là? Parce qu'il n'a signé aucun accord. Kabila a encore signé. Il n'a signé aucun accord. Et non seulement ça, il sabote, il crache sur l'accord. L'accord n'a pas été respecté. Même aujourd'hui, Bruno Tshibala est là. L'accord n'a pas été respecté. Et si vous parlez des élections, oui, tout le monde a élection, ou tout nommé Félix, premier ministre, parce qu'il y a un des accords et Sengibongo. Et comment? Décrispation. Vous en parlez? Décrispation. On en est où? Franck Diongo, il est encore là. Et il a été arrêté pendant les dialogues, s'il vous plaît. Franck Diongo a été arrêté pendant les dialogues. L'opposition a été faire des selfies pendant le procès. Tout le monde, nous avons relayé. Comme vous voulez être des stars, bisous, t'as relayé information. Et après, on en est où? Muyambu, Franck Diongo, Firmin Yangabi, et tant d'autres que j'ignore. Le prof Witt Mulongo, on en est où? Ils sont où? Ils sont en train de crever. Ils sont en train de. Vous bino vous allez bande et tout bande qu'on a mis nos bâtis qu'on a quatre en prison hein? On a fait bisous sur les alliés comme on a activiste. Sur les alliés comme combattant moi quoi ça bisous en prison. On a commandé le bela carayango ti tout comme la souka. Mais maintenant bino vous tiki muninga kuna bozo tambo la bunda na la négociation et vous voulez encore rajouter un autre. Oh, vous voyez, un autre dialogue. Comment vous voulez parler encore d'un autre dialogue alors que les précédents dialogues n'ont rapporté rien du tout à la population? Le peuple ne s'est pas retrouvé à ce dialogue-là. Hein? On va continuer à dialoguer. À chaque fois, oui, la communauté internationale nous met la pression. Vous ne savez pas. Vous analysez la situation comme les gens de la rue. Vous ne connaissez pas la politique. Et arrêtez. On ne connaît pas la politique. Bah, on dit, politique, c'est pas dribbler, bah, on connaît. Hein? Arrêtez de nous traiter comme des moins que rien. Moi, écoute, je refuse. Hein? Une insoumise, dépit. Une insoumise, parce qu'il s'agit du Congo. Il ne s'agit pas de. Oui, tu es bon de la nom, le Kambalo Pango, Oto le Pango, oh, Kuna Balingi Bakunda, Nani Kuna Baboy Bakunda Kuna Te, Balingi Bazalpanga Batou, mais bon, Balingi Bacha Basili, Bakangé Bembe. Non, il s'agit du Congo. Il s'agit de notre terre à
j'en parle, je défends. Parce que les gens qui ont dit que je suis un pototin, et à ta couture, on a pototin, on a congolais, barose. Tu vois, ici, quand nous allons dans l'administration, même si on a qui carte, carte d'identité bleue, passeport rouge, français, on te pose la question. Département des naissances, tant au Baka 99, quel pays. Donc, pour te rappeler que tu n'es pas d'ici, tu es d'ailleurs. Voilà. Donc, ailleurs, tu ne peux que défendre ton pays. Tu ne peux que défendre ta terre. Donc, il y a voilà pourquoi tu es au Obama, Kambuya, Congo. Ça nous concerne, nous, à nous tous. Donc, nous disons non, non à ce troisième dialogue. Nous disons non, nous soutenons. S'il faut soutenir, moi, franchement, s'il faut soutenir, je soutiendrai volontairement les mouvements citoyens. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui se battent, ceux qui disent non à ces pouvoirs. Parce que jusque-là, si nous commençons à analyser la situation, il y a unité. Oui, il y a unité entre Vital Kamerhe et Kia Zongi. Boebi est bien. Communément, nous l'appelons caméléon. Akoshtoure, changer binonde mikanda rassemblement. Alors, changer binôme mikanda rassemblement, Yemoku t'a commis président. Parce qu'il en est capable. Il peut le faire, je pense. Il peut le faire. Donc voilà. Je ne suis pas là. Bon, sangalana qui vous voulez. Moi, je ne suis pas du rassemblement. Ça m'est égal. Du moment que Batmazo Tozolo, intérêt à peuple doit primer. Donc, intérêt d'abord, il y a peuple qui doit primer. Nous ne voulons pas. Oh, ben, la bise au troisième de l'ordre. Niki, c'est ci, niki, c'est là, niki, c'est là. Mais non. On en est où? C'est quoi les résultats? C'est quoi la conclusion? Elle est partie. Les États-Unis, comme je disais tout à l'heure, a ses problèmes. La France a ses problèmes. Haïti a ses problèmes. Nigeria, Niger, je ne sais pas, Algérie, Burkina, Bulgarie, tout le monde. Tout le monde a ses problèmes. Donc c'est à nous, c'est à nous de défendre notre terre. C'est à nous de nous lever. C'est à nous d'appliquer la Constitution. Donc l'article 64. Alors, il y a un soulèvement populaire. Il y a un lobby pour le leader de la télémabimi en Hollande. Voilà, tout simplement. Et puis, si on a un tiki dans la Kaskolo, au Congo, ou bien un tiki. Donc, et ça, la Nini, quand vous dites, oui, bon, le barakan, la musique, mais aujourd'hui, franchement, entre nous, si on a un tiki, et la Nini n'est pas dans la. Et on a un tiki, parce que nous avons un tiki, nous avons un galéré, nous avons un diplôme, nous avons un tiki. Mais combien ont des diplômes là-bas qui n'ont pas de travail? Combien, à chaque fois, dans un pays où à chaque fois qu'il y a une manifestation, les gens s'élèvent pour défendre leurs besoins ou des besoins même élémentaires. Il faut que la police tire, il faut que la police fasse des représailles, il faut que la police arrête, il faut qu'il y ait des arrestations arbitraires. C'est quoi ce pays-là, Congolais? Est-ce que jusqu'à quand Mouta Bongobo Keko Vanda Naïsoubo Solola? Pourquoi Congolais est toujours comprendre? Bande Konanga. Combien des étudiants ont été arrêtés? Tant balobi comme un passeport. Le passeport congolais aujourd'hui c'est un produit commerciable. C'est-à-dire ça rapporte les bénéfices au pays. Même bon wana et quand t'as un cas c'est gouvernement congolais. Bon wana contribuable congolais ou peuple congolais à profiter à l'angoté. Yango ne bango bazo tungi la banda ku yango bango ne bazo sela bama kam na bango. Maintenant biso c'est quoi le onga nazo tuna. Tant on va changer bisoboué, oh, c'est mis biométrique. Ah non, vous passez au biométrique. Bon, on a dit que basso ça canne biso. Donc on doit l'équiper, et l'équiper la facilité nyoso. Maintenant tout le monde commence à courir dans les ambassades pour aller changer les passeports. Et nous trouvons ça normal. Muto azana Kinshasa peut-être ça là-bas ferme. Bozui bo changer passeport abimisi. Et bongo, muto mususu azana même coûte l'ambongo au liaté. Voilà pourquoi ce gouvernement est incapable. Il y a aussi la mise à disposition d'une carte de citoyen, carte d'identité pour les Congolais. Ils utilisent que bon le balana t'es au pays nous sommes peu basés là-bas on a carte d'identité. Non. Ce n'est pas parce que Kabi comme Mobutu et Souka qui carte Mobutu ma carte il y a Zaïre ou on a la carte non on a une carte verte après tu auras la carte d'identité tu auras peine la carte d'identité est au la paix bongo. Non. Mais donc, les APKS, au par Oyamba la Sima, si vous comptez sur les élections. Donc, au par Oyamba la Sima, si vous avez une carte d'électeur ou une carte pour citoyenneté, on va laisser carte d'identité, ça va dans le problème, ça problème. Mais dans les cartes d'électeur, nous avons vu l'enrôlement des enfants. Nous avons vu les enfants de 16 ans se faire enrôler, des 10 ans même se faire enrôler.
Et vous pensez vraiment que, na 2019, puisque je répète, en 2018, il n'y aura pas des élections. Comptez les 504 jours. Dans une année, nous avons 365 jours. Et les 504 jours commencent à partir de... après l'enrôlement de la diaspora. Et Moutoumou, tu as s'enrôlé dans la diaspora. Oh, s'enrôlé dans la diaspora. Alloba, l'obata, oui, moi, j'ai été m'enrôler. Non, personne. Personne ne s'est fait enrôler. Et maintenant, on va attendre à ce que, etc. Jusqu'à ce que nous serons en 2018, au Boromona. Si en 2018, Boromona qui est diaspora congolaise, bah aussi ça donne un enrôlement à bisoté. Et tant bah aussi ça enrôlementé. C'est quoi l'élection au Bandaka? Boulon, il y a 365 jours, il y en a 2018. Donc, ils rapportent des élections. Ils n'ont aucune volonté. Ils parlent qu'ils n'ont pas l'argent pour organiser les élections. Zoé Kabila, la famille de Kabila, Nakati, Yanni, Panama Papers, Bazan, bah, scandale, scandale, Bimi, Bayibi, Bambongo, Bazan, Bambongo, Bambi à l'étranger, Bazan, sous la trafic, il y a ceux qui ont financé le terrorisme. Mais qui n'a pas suivi ça, Bande Kolanga? On va continuer comme ça. On va continuer à croire ou à dire, à subir. Hein? Comme Papa Noël Kouela, hein, que je salue en passant, il a écrit quelque chose hier que j'ai approuvé. Qu'en 2016, le rassemblement ou l'opposition a subi ou a été derrière la volonté de la communauté internationale. Alors en 2017, la communauté internationale doit accompagner le peuple congolais ou doit être derrière le peuple congolais. Nous ne voulons pas subir à chaque fois, oui, la communauté internationale, c'est si. Il y a tout ça dans la communauté internationale en gros quoi. C'est vrai, nous n'avons pas d'armes. C'est vrai, nous n'avons pas de moyens. Mais un Congo riche, scandale géologique, on en a parlé, tout tangi et tout. On a tout pour être riche. Mais le peuple congolais vit dans la misère. Le peuple congolais n'est pas respecté dans le monde. Le peuple congolais, on parle du Congo, c'est comme si, ouais, pff, voilà. Bande qu'on a. Est-ce que nous allons continuer à baisser nos fronts ou à les lever, comme le dit dans notre hymne national, hein? Levons nos fronts. Tobunda. Na évité. C'est quoi, tozo kende. J'ai lu un communiqué de la dynamique de l'opposition, en tout cas par rapport à la réaction de la venue de Nikki Haley. Il parle des élections. C'est comme si à moitié, Baza pour que Ebandimi que l'élection est en 2018. Peu importe. Autre, tu sais qu'il y a un mot de ma tête, le bac qui te dit que ma condition est réunie. Mais qu'est-ce que vous avez. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.